3 parce qu'évidemment il y avait l'autre qui montait à la garde à côté. Le bel oxymore, l'honorable voleur. Terrible, mon vieux. Ah oui, quand même. Puis de toute façon, vous avez jamais parlé de ce que vous aviez volé. Quand même. On peut dire s'il mérite d'être qualifié de boss. Je suis concentré sur celui-là qui est un peu le plus dangereux des trois, donc il vend. Au combat, il est fragile, ça c'est clair. Par contre, c'est le personnage le plus rapide dont vous aurez besoin, et il a pas mal de sortes de buffs d'attaque. Donc vous voyez, le skin des armes change hein, selon ce que vous êtes équipé. C'est pas des ennemis dangereux. Ah oui, quand il y a un djinn en attente, n'importe quel personnage peut faire l'invocation. C'est bon à savoir. Et l'affinité terre, en fait, c'est simplement que comme on indique son affinité avec l'élémentaire va augmenter, du coup tous les dégâts qu'il affligera avec des sorts ou d'autres invocations de type terre seront plus conséquents. Et il encaissera mieux les troncs de type terre. Donc ça, face au long combat face au boss, ça peut être très utile pour enchaîner les invocations. Est-ce qu'on
pour un Pokémon, oui. Très facile, même pas besoin de se soigner. Level up. Et la première arme enchantée, le cimetière. Non, surtout qu'on ne peut pas. On lui en veut pas aux gardes. Je vais pouvoir mettre les cendres de mamie dedans.